À cause de la génération des milléniaux, l'astrologie connaît un regain d'intérêt monstre et au Club Soli, on s'attaque à toutes les tendances. Donc, je m'entretiens avec le célèbre astrologue Christole. La lampe tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, la lampe tâche, elle-tu? Ah non, c'est correct. C'est un peu basse. Mais... Christole, d'où vient ton nom? À la base, moi, je m'appelle Simon Boulay. Et... Mais dans un rêve astral, un ange est venu du Nirvana pour me dire « Tu t'appelles Cristal. » Donc, Cristal, pourquoi Christole, donc? Parce que mon premier flyer, j'ai fait une erreur de frappe. Alors, j'ai gardé Christole. Ça vous va bien. Christole, est-ce que tu as des pouvoirs? Je savais que tu allais me poser cette question-là. Pas parce que j'ai des pouvoirs, mais parce que c'est écrit dans le texte que tu m'as donné hier. Je le savais, c'était écrit. Oui, j'ai beaucoup de pouvoirs. Télépathie, Wi-Fi. Je parle aussi avec les morts. Vous parlez avec les morts? Wow! Comme, est-ce qu'il y a des morts connus à qui vous avez parlé? Très, très connus. Marie Curie, Elvis Presley, Jean Lapointe. Pas mal sûr qu'il est encore en vie, Jean Lapointe, par exemple. Il me semblait que sa voix était un peu plus claire que les autres. Je peux même voir dans le futur. OK. J'ai une révélation, justement, qui m'est venue à l'esprit comme ça. Voudrais-tu l'entendre? Mais j'ai peur, on dirait, je veux pas savoir. Sujet de ton décès. Non, oui, je sais pas, on dirait non. T'aimes mieux attendre dans 2 semaines quand ça va arriver? Depuis que je suis médium, j'aide aussi la police. En fait, j'ai arrêté de voler des bicycles. Donc, ça leur enlève de la job. Et avec le regain d'intérêt pour l'astrologie chez les jeunes, est-ce que vous avez eu à moderniser un peu votre approche? J'ai modernisé mon jeu de tarot 2021. Okay. Juste avant, je vais juste me réénergiser. Et que ça brûle tout le temps à chaque fois, j'ai même... On y va. La carte troisième lien, où tu vas subir une énorme perte d'argent ou sauver 15 minutes en char. La GAFA, la carte Nicola Ciccone. Tu vas avoir un regain de popularité, mais pas pour les bonnes raisons. Le valet. Ça veut dire que tu vas pouvoir enfin parquer ton char. Est-ce que tu serais capable de lire dans les lignes de ma main? Avec plaisir. Donne-moi cette belle petite main-là. Oui. 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 Mais là, je te rappelle, je t'ai occupé, là. Excuse-moi, je suis... Non, non. Ah. C'est doux quand même, hein? Oui, c'est... Ben, je gratte mes mains. Oui? Beaucoup? 2 fois par jour. Est-ce que tu me permets de sentir ta main? Oui, pas de problème. Non, 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 attention! Oh, fuck! J'ai peur, ça. En ligne sur nouveau.ca.